Alors voici l'énoncé. Alors l'énoncé, qu'est-ce qui est stupide? Il est stupide de créer une pile. Alors un enregistrement T-Elements avec objet, c'est le data. Okay? Et par la suite, la pile, il contient un pointeur sur le premier élément. Et on veut créer une méthode qui s'appelle initialiser, empiler, dépiler, est-ce que la pile est vide, oui ou non? Alors, rapidement, je vais faire ça. Donc rapidement, je vais le faire. Alors au lieu d'enregistrement, ce sera quoi? Un struct. Struct t-element. Alors qu'est-ce qu'il contient? Il contient un t-object plus un pointeur sur l'élément suivant, sans oublier préalablement de faire quoi? De déclarer un typedef. Donc, je dois faire un typedef. Typedef t-element. T-element. Mais ça nécessite quoi? Ça nécessite qu'on déclare préalablement quoi? Le T-object. Le T-object, c'est le data. Okay? Donc, je vais déclarer préalablement le T-object. C'est le data. Alors, au sein du data, je vais faire n'importe quoi. Je vais faire par exemple int numéro et un name. Char name. 20 caractères. Okay? Donc ça, c'est le data. Par la suite, il faut faire la pile. Alors la pile, c'est quoi? C'est un pointeur sur un élément qui s'appelle premier. Alors, je vais faire la pile. Alors, je vais voir l'énoncé. Alors, la pile, elle est là. Enregistrement pile. Enregistrement. Comment? Alors, elle est là. Alors, je vais copier-coller ça. Donc, struct pile, pile, typedef struct pile, c'est juste un pointeur sur le premier élément, comme ça. OK? Donc, c'est ça. Donc, c'est ça les structures qu'on aura besoin pour qu'on puisse. Alors, ça, c'est pas object. Ça, c'est un pile, pile, pile. OK? Donc, à chaque fois qu'il y a pile, il faut le remplacer par struct pile. Donc vraiment ça, c'est ça la structure à définir. Alors, en parallèle de la structure à définir, on va voir un petit peu les concepts de pile, les concepts de cours, pour qu'on puisse avancer un petit peu. Alors, les concepts de cours, on a dit que une pile, c'est quoi? C'est une liste chaînée. OK? Liste chaînée. Lorsqu'on veut insérer, on va insérer à la tête. Et lorsqu'on veut supprimer, on va supprimer la tête. Ça marche? Ça, d'une part. D'autre part, on dit que le pile est de type LIFO. Ça veut dire quoi, LIFO? LIFO, ça veut dire last in, first out. Ça veut dire quoi concrètement, last in, first out? Ça veut dire que le premier élément, alors imaginons, alors je vais faire un paint. Alors, comme le truc des assiettes, alors, imaginons qu'on a la première assiette, elle est là, elle a été ajoutée, ça c'est la première assiette. Par la suite, j'ai ajouté, ça c'est la première assiette, mais en plus de ça, je viens d'y ajouter une deuxième assiette. Par la suite, je viens d'y ajouter une troisième assiette, ça c'est la première, ça c'est la deuxième, et en fin de compte, ça c'est la troisième. Alors, à chaque fois que j'ajoute, alors premier, j'ajoute, ça c'est le deuxième que je viens d'ajouter, ça c'est le troisième. À chaque fois que j'ajoute à la tête. OK? Donc ça c'est le first in, le first in. Où est le first? C'est ça le first. C'est ça le first. C'est le first in. Alors ça c'est un. Alors ça c'est un. Ça c'est un. Et par la suite, ça c'est deux. Ça c'est le deuxième élément. Ça c'est un. N'oubliez pas que ça c'est vraiment le un. Et ça c'est le deux. Et ça c'est le troisième élément qu'on vient d'ajouter. Donc en termes de temps, en termes chronologiques, le troisième élément, c'est le dernier élément qui a été ajouté. Mais il devient la tête. Donc ici la tête, il est là. La tête, elle est là. Ici, la tête, ça devient ici. Et la tête, ici, ça devient ici. À chaque fois que j'ajoute un élément, il s'ajoute à la tête. Alors, c'est quoi last in, first out? Ça veut dire que le dernier élément qui a été ajouté à la liste, ça veut dire ce monsieur, c'est vrai que c'est la tête. Mais c'est vraiment le dernier élément qui a été ajouté. Okay. Ça va être supprimé le premier. Last in, c'est ça, last in, c'est-à-dire
le dernier Allemand qui entre, c'est le first out, c'est le vraiment le c'est le premier élément qui va être choqué. Donc last in ça veut dire quoi? First out ça veut dire que c'est le premier qui va être sorti de la liste. Et vraiment c'est ça. Lorsqu'on veut supprimer, on va supprimer celui-là et par la suite celui-là et par la suite celui-là. Donc last in ça veut dire ce monsieur qui a été ajouté le dernier. C'est le first out, c'est vraiment ce qu'on va supprimer en premier lieu. Ok, c'est ça le first out. Alors par la suite on va voir FIFO aussi, mais grosso modo c'est ça une structure. Alors par la suite ce qu'on va voir, on va voir comment ajouter un élément à la structure, à la pile, et comment supprimer un élément à la pile.